Salut, c'est Tété et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on est sur la fin de notre trip en van avec notre beau petit van qui est là. Avec la petite cuisine, les petits oignons là. Là, le petit apéro. C'est bon la bière. Hein. Et là, regardez, c'est le meilleur, c'est la chambre. C'est nos culottes sur le lit. Ouais. Je les enlève vraiment parce que ça fait dégueu. Elles sont propres. Hein. Donc là, c'est la chambre, le petit lit. Avec la vue sur les montagnes, hein, comme tu sais, toutes sur les photos Insta, sur les petites vues sur la plage et tout. Enfin voilà quoi, le petit van avec qui on a roulé un mois et qu'on rend demain. Malheureusement, on le rend demain. Non, on le rend pas demain. On le rend quand, je sais plus. Bon, on le rend après-demain, le van. Non, même pas en plus. Après-après-demain. Ah ouais. Bon bah on le rend demain et après-demain. Et j'ai pas fait de vlog ou quoi que ce soit pendant le trip. J'ai juste fait un petit film en mode super beau avec une belle petite musique et tout que vous pouvez déjà voir je pense. Et restez à aller le voir après parce que demain on va vivre une expérience de dingue. Normalement on va vivre une expérience de dingue, mais si cette vidéo sort et si c'est marqué dans le titre, normalement vous savez déjà ce que c'est. Et ça va être génial, enfin j'espère. On a 90% de chance que ça arrive. Bon du coup oui, vous l'avez vu, demain on va nager avec des dauphins et moi je suis un grand fan de dauphins. Quand j'étais petit j'avais des petites figurines de dauphins et tout, enfin des grosses figurines de dauphins genre comme celle-là, et vraiment j'étais fan. Hein. Oh la classe. Moi je faisais juste des dessins. Et on a 90% de chance de pouvoir déjà les voir, et ensuite s'ils sont joueurs et ils ont envie de jouer un peu avec nous, on pourra nager avec eux. Et du coup ce serait ouf, ce serait dingue. Enfin moi je suis super excité. Je pense que Sego aussi elle est super excitée. Il faut se comporter comme des dauphins demain. C'est vrai? Alors ouais, je sais pas trop comment faire, mais toi tu sais déjà, non? Oui, faut... Je sais pas faire le dauphin. Bon demain du coup je prendrai la caméra sur le bateau, j'aurai la GoPro pour dans l'eau si jamais on arrive à les trouver, à les voir et tout ça. J'espère. En tout cas c'est en pleine nature, en plein dans la mer. Et on leur fera pas de mal, on a pas vraiment à les toucher ou quoi que ce soit. C'est eux qui viendront vers nous si ça arrive. Donc voilà, on se retrouve demain et je suis trop excité. Bon, c'est le jour J et l'excitation est palpable. On a peur de pas pouvoir les voir et tout ça, on espère qu'on va les voir. J'espère vraiment. Et voilà, on se prépare. Là on va aller mettre les combinaisons et tout ça, je vais vous emmener avec moi là. Bon ça y est, on a les combinaisons. On est tout en moule vite. Bon, bref, ça va être génial, on part à la mer. Le temps est avec nous en plus. La mer sera un petit peu agitée de ce qu'ils nous ont dit. Mais voilà, tout simplement. Ça va être ouf. T'es contente ? Cool. On est dans la cabine du pilote. Bon, du coup on cherche les dauphins, on part dans la mer et on doit regarder l'horizon, voir si on voit des petites nageoires, des petits trucs sauter. Et dès qu'on les verra on pourra aller nager avec eux. Ça va être ouf. Et en fait c'est eux qui viennent vers nous si jamais vraiment ils ont envie de nager et tout ça. Et s'ils n'ont pas envie, bah ils n'ont pas envie et nous on n'a pas à être déçus quoi. C'est à eux de vouloir nager avec nous. Et à nous de tout faire pour qu'ils veuillent nager avec nous. Ça va être trop. Mais on doit être une bonne dizaine à nager avec eux. Donc après c'est pas énorme non plus. Et on y va, je pense qu'on y va pas tous en même temps. Enfin, ça va être sympa. Et du coup pas dès qu'on les trouve, je prends la GoPro. On mettra les casques, enfin les masques, les équipements pour aller dans l'eau, les palmes.
T'en as vu plein? Oui. T'as dansé avec? Oui. Oui. C'est trop génial, regarde, il saute là. C'est ouf. C'est ouf. Il suffit juste de jouer un petit peu dans l'eau pour les attirer. Ouf. De plonger un peu. Et ils viennent jouer avec toi. C'est génial. C'est un rêve de gosse que je suis en train de réaliser. Il y en a qui vient de sauter derrière moi là. C'est fini. On doit tous rentrer. J'ai pas envie. Mais ils sont tous partis. Là on n'en voit plus. C'était un truc de dingue. C'est une expérience de ouf. Je retrouve Sego maintenant. Je sais pas où il est. Il est peut-être parti avec les dauphins. Bon, ça y est, c'est fini avec les dauphins. Après une bonne douche et aussi un bon petit repas, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit feedback, un petit retour sur ce que j'ai un petit peu vécu avec les dauphins. C'était un truc de dingue, c'était un truc de fou. Moi c'était vraiment un rêve d'enfant comme je disais avant. Et je rigolais pas, en plus je collectionnais vraiment les figurines de dauphins quand j'étais petit. Bon du coup je suis devant un petit spot sympa là. Tout ça, toute cette histoire de dauphins et tout, ça se passe à Kaikoura. C'était à Kaikoura en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud, sur la côte Est. Qui est l'un des meilleurs endroits en Nouvelle-Zélande et je pense dans le monde aussi. Wow. Ils sont ouf. Et du coup les dauphins qu'on a vus, les dauphins que j'ai filmés dans l'eau tout à l'heure, c'était les Dusky Dolphins. C'est des dauphins vachement jolis avec une peau bien noir-gris sur le dessus et puis blanc en dessous. C'est les dauphins les plus acrobatiques, ceux qui font le plus de petites galipettes et tout. Donc c'était marrant. C'était sympa, il sautait un peu partout et il fallait vraiment plonger dans l'eau et faire un peu le dauphin pour qu'il vienne vers nous. Moi j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns autour de moi danser. Sego elle en a eu pas mal, elle en a eu 10 d'un coup sur elle. Les dauphins sont des violeurs. Et on a fait ça avec Encounter Dolphins, Dolphins Encounter, quelque chose comme ça à Kaikoura. Et c'est une agence qui fait ça dans le respect de l'environnement, dans le respect des dauphins. Comme je l'ai dit, hein, c'est des dauphins qui sont vraiment dans la nature, en pleine liberté, qui sont pas du tout entraînés, qui sont pas nourris ou quoi que ce soit. Vraiment, on part avec le bateau, on les cherche et si on les voit, on s'approche un peu d'eux, on descend dans l'eau. Et s'ils ont envie de jouer avec nous, ils viennent jouer avec nous. Ça marche vraiment comme ça. Nous, ce matin, c'est vrai que on avait beaucoup de chance. Il y a eu un moment où on en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas trop si j'ai pu filmer parce que la GoPro elle a un peu merdé, mais bon. C'était vachement sympa, c'était génial, c'était plein d'émotions. C'est un rêve qui se réalise. Si ceux qui sont intéressés un petit peu, ceux qui veulent peut-être venir en Nouvelle-Zélande, à Kaikoura, ou qui veulent juste s'intéresser à la fondation par laquelle on est passé, je vous mettrai le lien dans la description de leur site internet. Bon, je sais pas trop ce qu'on fout là. À monter une colline super grande là. Juste pour avoir un petit point de vue. Bon, c'est joli quand même, hein. Une idée à toi, ça. C'est ton idée. Bon, j'allais presque oublier. Si cette vidéo vous a plu et si vous aimez là quand je prends des risques comme ça, si vous avez bien aimé les petits dauphins sauter et puis tout le reste, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire et surtout aussi à vous abonner à ma chaîne qui est juste là. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton. Puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tété. Bisous. Comment je vais faire? Yo. Ah.